Salut les Michel. Salut à toi. Aujourd'hui, on est en route pour aller au festival de Luchon. Ça sent la campagne. Ben un petit peu. Ah, on sait pas où c'est. On va pas se mentir. Quelqu'un, quand on dit au festival de Luchon, tout le monde dit c'est quoi ? Valentin, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on va faire à Luchon ? Eh bien, à Luchon, nous allons présenter notre web-série Les Évadés du Bureau, qui a été sélectionnée, c'est une très bonne nouvelle. Avant tout, le festival de Luchon, c'est un festival télévisuel, donc où on retrouve des séries télévisées. Mais ils ont ouvert une section web-série. Luchon, c'est la deuxième fois qu'on y va. L'année dernière, on y allait pour présenter notre web-série Tu âmes. Mais c'est qui ce connard ? Excellente web-série au passage, on vous met le lien juste au-dessus. Donc, on était venu sur place, on avait passé un bon moment, très belle organisation, accréditation, forfait de ski, matériel de ski, soirée d'ouverture et de clôture. Tout ça payé en plus, nous on n'avait rien déboursé. Et donc cette année, l'organisation semble être quand même un peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'on a été prévenu il y a 2 semaines, on a découvert par hasard notre sélection sur un post Facebook du festival. Mais on a été accrédité 2 jours avant, ce qui est largement suffisant. Ah, on est large. On a pris la Lamborghini et puis on fait Paris-Luchon. Bam, en Xara. Sac. D'ailleurs, on n'a pas eu le programme, donc on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. On va le découvrir avec vous. On va faire un peu le tour du festival ensemble. À Skip, ce soir, il y a une soirée d'ouverture. À cette heure-ci, on ne sait toujours pas si on est de la partie ou pas. On verra, on va essayer de s'incruster. Sinon, on trouvera des copains, on boira des coups. Et en tout cas, on vous emmène avec nous. Ça y est, on a récupéré nos accréditations. C'est les accrédits de privilège. Attention, ça n'a rien à voir avec du privilège parce qu'on n'a pas accès à la soirée d'ouverture ni à la clôture. On a un petit doute sur la qualité des accrédits là, on pense qu'il y a en tourloupe. L'an dernier, il y avait écrit professionnel dessus, bah bon, a priori, on n'est plus des professionnels. Nous sommes des gens qui venons squatter les projections, les conférences et le festi-café. Alors le festi-café, c'est le petit chalet que vous voyez c'est juste derrière. C'est le chalet magique là. Avec bière à gogo, les cafés, là, les amis. C'est un peu le dernier vestige de nos privilèges en tant que web-série quoi. Luchon, c'est trop bien. Salut Luchon. J'ai vraiment super bien ce festival. J'aime bien être traité comme une merde. Mais c'est moi ou je bois pas? On refait la rafale. Ouais. Alors, on vous présente un petit peu nos appartements. Oui. Donc ici, une belle cuisine équipée avec de quoi monter allègrement différents montages vidéo. Le canapé pour 6 personnes alors qu'on n'est que 2. Ça, c'est Pipoun. Ça peut servir à différentes choses, hein, on va pas entrer dans le détail. C'est ma chambre avec mon casque de ski, hein. Cas où, hein. C'est le grand luxe, d'ailleurs je vais... Vous savez tout. Ah mais vous me surprenez pendant que je fais mon lit. Vous êtes prêts, hein? La vue sur la vallée. Oh, alors là, vous voyez, il y a le mont Kashkai, la dent du Kangoo. Et au-dessus, bah, c'est l'échafaudage télésiège qui permet en fait de monter au sommet du bâtiment de la mairie. Vous avez quand même un miroir original? On peut l'étendre jusqu'à l'infini. Allez, on s'en fout. Pipi, popo, et voilà. J'espère que ça vous a plu parce que c'était quand même... Bon les gars, je suis au bureau des accrèdes là. Il y a peut-être moyen que ça donne quelque chose et qu'on ait droit à d'autres accréditations. Si jamais ça passe, foncez à la mairie quoi. On faut voir. Hein. Pourquoi pas? Moi ça m'irait bien parce que franchement ça sert à rien ça. Bon les gars, c'est mort parce que les bénévoles ils peuvent rien faire. Ça vient vraiment de la direction. Je sais pas si vous êtes au courant. On nous enverra un message pour nous dire si on a eu un prix ou non. Mais si on n'a pas de prix, on n'assiste pas à la cérémonie. Putain, les bâtards quoi. Ok. Donc c'est genre, t'invites un pote à bouffer chez toi? Ouais, Valentin. Eh bah écoute, très bonne nouvelle, puisque tu es sélectionné pour venir dîner chez moi. Oui, bah c'est à 900 bornes de chez toi. Mais écoute, on te prépare un truc, petits oignons. Hein. Oh mec, ça va ou quoi? Tranquille? T'as pris ta bouffe? Bah tu m'as invité, je tu veux que je t'en... Ah tu bouffes dehors, t'as dit tranquille, casse-toi. Ah putain, casse-toi, mais... Ouais, casse-toi, tranquille, putain. La tente. Non mais c'est juste un bordel sans nom. On n'y comprend rien. C'est de la merde. You're gonna be
c'est ça. C'est gentil. Ouais, hein, mais... Alors on est, on attend la projection. Non, bah oui, mais avec impatience. Avec les amis de John Legacy. Nous avons perdu l'appel de Framasus. Ah, il y a aussi de très bonnes nouvelles. Que nous serons présents sur le prochain marché des robots ménagers. Ah, Plus belle la vie, bah là on peut voir ça là. Là on a vu qu'il y avait la projection de Plus belle la vie à 14h, donc il y aura toute l'équipe, les réals, le staff. Donc on va se faire ça. On y va hein. Tu viens vous amener avec nous? On y va. Allez c'est parti. On s'en bat les couilles. Nous qui avions quitté Paris pour retrouver un peu de calme. Et où on est avec ta fière ? Non, on est en vacances là. Alors on vient d'apprendre que nous sommes finalement invités à la clôture du festival, donc à la remise des prix, qui a lieu à 20h. Et il est 19h55. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ou... On arrive ! Ah ! Ah ! On y va. Finalement, on s'est dit que on pouvait aussi bien regarder la cérémonie en direct, de façon ludique. Ah oui. En se coupant un peu du son. Oh, et du canard. Et sur leur putain de live, il n'y a pas de son. Eh ben non. Bon. Et si on est amené à gagner, ce qui ne sera pas le cas, eh ben on ira le récupérer. Plus tard. Voilà. Allez, beau festival. Très bien. On revient de soirée, c'était la clôture du festival de Luchon. On est un peu décalqué, demain on a 10 heures de route. Mais on nous a livré un terrible secret qui nous pèse lourd sur la conscience, donc on voulait le partager avec vous. Ça concerne une chose que l'on vous a montré dans ce Airbnb. Il s'agit de Pipoun. Pipoun nous a livré un secret sombre. Pipoun, qui est maintenant présent depuis 6 ans dans ce Airbnb, se fait gangbanger sans relâche par tous les Airbnbistes qui passent. Mais Pipoun brisé, Pipoun martyrisé, Pipoun sali. Mais Pipoun jamais ne se rendra. Oh non, Pipoun, n'essaye pas de me... Ma liberté! Bon accord. Sur ce, les amis, bonne nuit et à demain pour 10 heures de route en bonne et due forme. Voilà, c'est parti pour 10 heures de route. Alors, on est motivé? J'ai pas envie, hein. Aujourd'hui, t'as un grand jour. Et oui, 300 abonnés. Et ouais, ma gueule. Maintenant, les gars, ça va être placement de produits, monétisation, compte Tipeee, des t-shirts, des mugs, des slips Michel. Et voilà, retour à la maison. Alors Jérôme, s'il y avait quelques mots pour résumer cette expérience à Luchon cette année, quels seraient-ils ? La chaleur humaine. La montagne. La convivialité. Le tariquet. Le facteur humain également. Bon, plus sérieusement, on a été un petit peu déçus par l'organisation, surtout qu'on a connu l'année dernière qui était quand même bien plus aboutie. Meilleure qualité. Donc voilà, on trouve un peu dommage que les web-séries aient été mises un peu sur le côté cette année. En effet, vous avez raison, mais en même temps... Ah, nous avons fait des excellentes rencontres, des beaux projets qu'on a pu voir, des gens très sympathiques, des créateurs talentueux. Pour finir, je vous propose de terminer par une petite citation. Une citation de Cybèle, comédienne de son état, qui, à 4h du matin, a déclaré « Si tu vises la poubelle, tu finiras dans le caniveau. » Voilà. Ouais, mais oui. Et on vous dit à bientôt, les copains. À bientôt, hein. À bientôt. À bientôt. Allez.